en live. Un beau sang. Allez. Hop. Premier poisson de la journée. T-shirt Trezaillou pour commencer la matinée. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de lumière, donc j'aime bien commencer avec du flashy. Et on repassera sur du naturel dans la journée parce que l'eau est quand même vachement claire. Mais ça a payé. Mais il a pas demandé son reste, celui-là. Le petit char Trezaillou qui fait vraiment des cartons là sur les cendres et les perches en ce moment, même par eau claire. Il est un petit peu translucide. Il faut vraiment pas hésiter à l'employer. Même en bonne journée avec le soleil, ça peut rapporter très gros. Des fois, il faut oser la différence et pas rester que sur du naturel. Et après, l'autre combinaison, même par eau transparente, c'est une petite tête plombée fluo pour agresser un petit peu les poissons. Ça peut donner de très bons résultats. Je l'ai bien vu monter dessus encore. Deuxième poisson en vertique avec un petit slick finesse wagasaki. C'est pas le bon forcément client, mais ça fait toujours plaisir. Au live en direct, encore une fois. Allez, on va vite le remettre à l'eau. Prends un brochet comme ça qu'on pêche le cendre. Toujours vérifier son fluoro, voir s'il est pas abîmé avant de continuer à pêcher. C'est pas dégueu. Ah, c'est pas si gênant. C'est qu'il est bien ventru, il a bien mangé à la cantine celui-là, à mon avis. Regarde la paillasse qu'il a. Puis c'est rangé du coup. Il a rangé le finesse. Et pas hésiter aussi à changer de vibration. Aujourd'hui, c'est ce qu'a rapporté. Un petit finesse, wagasaki. On a pêché quand même assez profond, dans 8-9 mètres d'eau, au live. Et ça a vraiment bien réagi. Les deux ont très bien fonctionné. Donc après, à voir au niveau des profondeurs et surtout de la luminosité de la journée. Deux coloris vraiment complémentaires à avoir dans ces boîtes.